l'ICAM a choisi de s'implanter à Douala, au Cameroun, puisque c'est la capitale économique non seulement du Cameroun, mais de la sous-région Afrique centrale. C'est une ville d'à peu près 3 millions d'habitants avec un tissu industriel très développé puisqu'on est sur une économie diversifiée. Les entreprises françaises occidentales sont assez présentes au Cameroun et dans la sous-région. Nous avons bien sûr des opportunités pour nos étudiants africains, mais les entreprises sont également à la recherche de potentiels ingénieurs français qui seraient intéressés pour avoir une partie de leur parcours en Afrique. Dans le parcours Ouvert Espoir, il y a cet échange avec l'international, c'est-à-dire nous avons la possibilité d'interagir avec des gens d'autres cultures et d'apprendre aussi de ces mêmes personnes, c'est-à-dire il y a le Cameroun et surtout entre le Cameroun et la France. Nous, on fait la pédagogie par l'approche PBL. PBL qui veut dire Problem-Based Learning, c'est-à-dire approche par compétence. L'étudiant apprend par lui-même déjà et ça, c'est déjà un plus parce que nous faisons 80% et les enseignants font 20%. Moi, je suis issu du système classique, conventionnel, où on donnait des savoirs et après, on ne savait pas forcément les utiliser. On a une situation réelle de la vraie vie et puis on va vers les savoirs. Et ce qui fait que la démarche des problèmes au savoir se fait naturellement. C'est l'initiative des étudiants. Et pour les étudiants, ce n'est plus un fardeau, le savoir qui est dispensé, mais plutôt un préalable à la résolution d'un problème. Et là, ça se fait naturellement. Je pense que c'est ce qui explique le succès de la formation, voilà, cette approche pédagogique. Déjà l'expérience en fait d'accueillir des étudiants français depuis 2010. On a toujours souhaité qu'ils soient en binôme africain-français. Ça permet vraiment un échange interculturel important et de constater qu'on peut travailler avec justement ces différences culturelles pour aboutir sur des objectifs communs. Le fait qu'on réalise cette formation en parfaite synchronisation avec les sites français. La conception des programmes se fait avec des enseignants également de Douala. Donc c'est une très grande opportunité de concevoir ces programmes tous ensemble et d'apporter des points de vue aussi différents sur la manière dont on pourrait former des ingénieurs, que ce soit en Afrique ou en France. On est très content de pouvoir contribuer à cette dynamique du groupe ICAM.